Alexis, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Les enfants du Capitaine Grant, une adaptation du roman de Jules Verne. Est-ce que tu peux nous présenter cette magnifique aventure dont le premier tour, je crois, a été récompensé par le prix des lycéens de Verne? Le prix des collégiens. Oui. Et en fait, il a eu un accueil assez bon. J'étais aussi dans les nominations jeunesse et donc à une visibilité assez sympa du premier tome. Et puis un public aussi. Donc le prix des collégiens, c'était effectivement décerné par un groupe d'enfants, ce qui m'a permis de rencontrer aussi les lecteurs enfants, parce qu'en dédicace, on croise quand même beaucoup les adultes. Quand même. Ah oui, donc le pitch, la série, en fait, c'est... C'est un des romans le moins connus en France de Jules Verne, enfin, il me semble, en tout cas en termes de visibilité par rapport au Voyage extraordinaire. Et puis moi, je le trouvais assez sympa. Donc c'est le récit d'un point de départ assez simple, de personnage qui trouve une bouteille en mer avec un message dedans. Et puis donc, on va partir à la recherche du capitaine Grant qui est perdu on ne sait où, avec des messages qui sont détériorés et très peu d'informations pour le retrouver. Donc l'intérêt du récit, c'est la petite troupe de personnages qui va se former. Donc avec les enfants du capitaine Grant, Paganel qui est un géographe qui tombe un peu là par hasard, un géographe français. Et c'est lui qui va un petit peu dynamiser le récit, c'est-à-dire en donnant un peu de... C'est lui qui va faire des étourderies, c'est lui qui va raconter ce qui se passe dans les pays traversés, donc la géographie, l'histoire. Et vraiment donner un petit peu de peps à ce récit d'aventure. Alors pourquoi ce roman plutôt qu'un autre? Parce qu'effectivement, c'est pas le plus connu. C'est pas le plus connu. Moi, je l'ai découvert justement quand je recherchais un livre à adapter. Moi, je suis rentré dans cette collection un petit peu par hasard en proposant un projet d'adaptation libre de Frankenstein. Mais effectivement, la collection était en train de se monter ex libris et le Frankenstein était déjà en cours d'adaptation. Donc, mon éditeur m'a proposé de rebondir et de retrouver un autre roman à adapter. Et je suis allé assez vite vers Jules Verne parce que j'aime bien l'univers du 19e siècle et puis j'avais envie effectivement dessiner des grands paysages et des choses assez différentes parce qu'avec ma technique un petit peu lourde, picturale, il me fallait aussi un univers qui s'y prête. Et quand j'ai lu ce roman, j'ai trouvé ça très sympa, le point de départ du récit et puis le fait qu'il soit divisé en trois parties avec trois récits vraiment différents. C'est-à-dire qu'on traverse, dans le premier tome, on a vu la traversée de la Patagonie avec un peu d'aventure, confronté aux éléments. Il y a des tremblements de terre, il y a des loups, il y a des choses comme ça. Après, on a des récits qui changent un petit peu de ton, qui sont de plus en plus sombres, notamment en Australie où il y a les conflits avec les bandits, et puis les cannibales dans le troisième tome. Et tout, ces trois parties différentes me paraissaient intéressantes pour faire trois histoires vraiment découpées et puis avec des tons différents, que ce soit dans l'image ou dans le récit. Est-ce que Jules Verne s'adapte facilement? Pour moi, oui. C'est-à-dire qu'il y a des... Je trouve qu'il y a des auteurs... Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées là, avec les collections qu'on a vues, mais il y a des auteurs qui me semblent compliqués à adapter dans le sens où ils ont c'est l'écriture qui fait l'histoire, qui fait le style. Par exemple, moi, je m'étais aussi intéressé à Conan Doyle. Et Conan Doyle, l'écriture et le rythme est presque aussi important que le récit. Dans Jules Verne, on a plutôt une écriture linéaire et de description et qui permet effectivement de se concentrer sur un récit qui est sympa. Et puis par contre, de transformer ses descriptions en images. Comment réussir à trouver cet équilibre entre le descriptif et le narratif? Parce que dans Jules Verne, il y a des pages de descriptions. Oui, en fait, ce qui était les descriptions des paysages traversés, c'était très intéressant pour moi parce que je pouvais les retranscrire par l'image. Donc effectivement, Jules Verne, il est très très précis. Hein, quand ils sont dans les pampas, il décrit la taille de l'herbe, la forme des arbres, qu'est-ce que ça ressemble à la campagne écossaise, est-ce que ça ressemble à la France, tout est très détaillé. Donc ça permet de faire de l'image. Moi, je me suis beaucoup inspiré plus de ces descriptions plutôt que de documentation précise pour retrouver les images des pays traversés. Et puis après, par contre, il y a un côté descriptif de la géographie ou de l'histoire. Parce que Jules Verne, il racontait aussi à ses contemporains ce qui se passait dans le reste du monde, à ses contemporains qui n'y avaient pas accès du tout. C'était un peu le premier raconteur, en tout cas sous forme de roman, de la géographie, de à quoi ressemblaient les animaux de tel pays, les indigènes. Donc c'était donc des choses qu'on pouvait encore garder dans l'image, et puis des choses que j'avais envie de retranscrire par le texte, en gardant vraiment une toute petite partie. Il y a quand même beaucoup de texte que je trouve dans la bande dessinée ? Oui. Moi, en tant que lecteur, j'aime bien les livres un petit peu denses. Ça ne me déplaît pas de passer longtemps sur une page, quitte à lire un petit peu de texte.
Et puis aussi, en découpant le livre, c'était assez cruel de voir se débarrasser de beaucoup d'informations. Et même si on a l'impression de connaître un petit peu l'histoire des pays traversés, là, donc il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande et puis l'Amérique du Sud, même moi, en tant que lecteur, j'ai découvert des choses ou une façon d'appréhender les choses vue au 19e siècle, par exemple sur la modernité des trains qui traversent l'Australie ou sur une conscience un petit peu, pas écologique, mais presque, sur l'arrivée d'une modernité occidentale dans des pays sauvages et l'oppression, il en est beaucoup question en Australie, l'oppression des peuples indigènes par les colons, qui est vue du côté français de Paganel avec un petit peu de hauteur. Pourquoi avoir fait le choix d'une représentation animale sur cette aventure? Deuxième question, qui est un peu dans la foulée, comment s'est faite la distribution? Je pense notamment au personnage de Paganel, ce géographe français que vous avez représenté en grenouille. C'est pas très flatteur. Est-ce que le produit anglais? Il y avait un peu les deux pour Paganel. Alors d'abord pour le choix des animaux, c'était moi quelque chose que j'avais découvert en travaillant sur des collectifs sur les fables de La Fontaine. Donc, j'avais dessiné plein d'animaux avec donc cette technique toujours picturale, un peu de peinture un peu épaisse et travaillée. Donc je trouvais intéressant de travailler des lumières sur des couleurs différentes comme le vert des visages de grenouilles ou le roux du renard. Je trouvais ça plus intéressant que d'avoir tout le temps des visages humains. Et puis effectivement, Jules Verne est un petit peu entre le monde de l'adulte et de la jeunesse. Ses romans sont font à sa jeunesse. Et j'avais envie de retrouver ce décalage-là entre des descriptions très réalistes, mais un récit qui est un petit peu décalé, un petit peu enfantin, le retrouver par l'image. Après, pour le choix des personnages, alors évidemment, il y a les caractères. Par exemple, tout simplement, l'ours, le major, qui est un gros personnage bougon et râleur. On pense, en le lisant, on pense immédiatement à un ours. Et puis les lords anglais, écossais, qui sont censés avoir un petit peu de prestige et de hauteur, on prend les félins qui sont les animaux quand même avec une certaine grâce. Et puis par contre, Paganel, c'était le personnage qui tenait le récit, c'est le personnage le plus marrant. Il est tout le temps en train de s'exclamer, de rigoler, c'est le personnage expressif qui tient le récit. Donc il y avait donc le petit clin d'œil à la grenouille pour le seul français de l'histoire. Et puis l'envie aussi d'avoir une tête qui est facile à triturer avec des grands yeux, une grande bouche pour pouvoir le faire vivre un peu plus que le reste du groupe. Tu es ton propre coloriste, ton travail en couleur directe. Est-ce que c'est parce que la lumière et la couleur sont deux éléments majeurs dans ton travail que tu ne peux pas en fait les dissocier du dessin et que tu es donc obligé d'aller jusqu'au bout? Oui, c'est ça. En fait, moi je viens du monde plus de l'illustration que du scénario ou de raconter une histoire. Moi j'aime beaucoup travailler la lumière et les couleurs, et notamment les contrastes, le clair-obscur et les choses comme ça. Donc c'est ça qui m'a tenu un peu dans le dessin. Et puis c'est vrai qu'en bande dessinée, on n'est pas nombreux à travailler en couleur directe. Et même dans cette partie de peu d'auteurs qui font la couleur directe, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent quand même avec le contour, avec le trait et le dessin dans un premier lieu. Et puis après, la couleur qui est faite dessus en technique liquide. Moi, c'est plutôt d'abord une technique plus épaisse de gouache, d'huile. Et c'est plutôt monter les lumières ou les volumes plutôt que le dessin, le trait extérieur du dessin. Ça rend magnifique. Merci. C'est gentil. C'est une série qui t'a pris 6 ans. Réalisation un peu chronophage, certainement énergivore. Oui. Est-ce que le souci du détail, la volonté de cette richesse de l'illustration, ne prime pas sur le récit en lui-même? Est-ce que ce qui te plaît pas, en fait, Malheureusement, oui, d'abord, j'ai pas pu me passer de mettre des détails, et même si j'avais envie d'aller plus vite à la fin, j'avais quand même envie de représenter le plus de personnages possible, de représenter le plus de détails possible pour représenter l'époque ou les paysages, et puis d'habiller ça avec les cartes travaillées, enluminées. Malheureusement, j'ai pas passé 6 ans là-dessus. C'est plutôt d'autres choses à côté qui m'ont pris du temps et qui m'ont empêché d'aller un peu plus vite. C'est-à-dire que heureusement que je passe pas 2 ans sur un album, mais malheureusement, j'ai fait un travail d'auteur jeunesse à côté qui m'a un peu bouffé du temps. Est-ce que tu as suivi personnellement le 37e parallèle? Pardon? Est-ce que tu as suivi personnellement le 37e parallèle? Sur un bateau? Oui. Ah non. J'aurais adoré. Est-ce que tu as d'autres projets? Pour l'instant, ils sont un peu flous. Je vais évidemment passer à autre chose et relancer les projets en couleur directe comme ça, dans ce style-là. Mais il n'y a rien de précis encore. Alexis, merci beaucoup de nous avoir dans cette série.
Ben, merci à vous. Merci, merci, c'est gentil. Merci. Ah bon, ben, c'est gentil, merci.